Salut à tous, nouvel épisode d'Half-Life aujourd'hui. Hop, on sauvegarde. nouvel épisode d'Half-Life aujourd'hui et on se retrouve pour pouvoir lancer la magnifique fusée. Waouh, c'est beau. Oh, il y a un lambda dessus. Oh, il y a le drapeau américain. Bon voilà, donc cette fusée est lancée, on est content. L'idée... Ça fait mal aux yeux ça. L'idée c'était donc... je sais plus. Ouais mais je crois que c'était juste qu'il nous avait dit que le complexe lambda avait une solution mais qu'il fallait que la fusée soit lancée. Je crois qu'on n'avait pas plus de précision que ça. Et donc on va descendre comme ceci. Et voilà. Allez. Maintenant que la lancée est fusée, on va pouvoir y aller. On y va. Voilà. Parce que le truc de soin, c'est la vie. Par là, on peut pas y aller. Donc on avance. Hop! On y va. Oh ouais, oh plein de soins et tout. Moi ça me fait plaisir. Bon ça me fait moins plaisir parce qu'en fait il n'y avait pas plein de soins, il n'y en avait qu'un peu. Bon. Là c'est l'heure de la sauvegarde. Je vais essayer de me diriger vers le complexe lambda je pense. Oh les bâtards! Ok. On ne peut pas avancer jusque-là. Oh, déjà. Attends, laisse-moi. Ah mais non, d'accord, c'est juste ces vieilles sangsues. Je pensais que j'avais plus d'oxygène en fait. Ok. Une fois qu'on est là-haut, on se met bien. On sauvegarde. Bonjour monsieur. Je vous dérange pas, j'espère. Oh! Eh, vous tapez mal. Enfin, vous tapez fort, monsieur. Vous tapez mal, t'sais. Ok, on va se soigner, ça va être bon. On va enfin avoir une barre de vie qui ressemble un peu plus à quelque chose que ce qu'on a depuis, depuis le dernier épisode. Ok, une fois ceci fait, bah, je crois qu'il va falloir que je descende. Sans trop me faire mal si possible. Ok, d'accord, en fait on n'a rien à faire ici, il fallait vraiment aller dans l'eau. Dégagez, bande de sangsues là. Vos mères, je les baise. Une par une. Je les défonce à coups de petite biche, les sangsues. Ah oui, j'aurais peut-être pas dû ça. Ouais bah fonction vitale menacée, oh tu sais ce que j'en fais moi de tes fonctions vitales. Allez hop. Allez. Non, laisse-moi deviner, je retournais en arrière là. Attends, wait, faut que j'aille où?
Il faut que j'aille où? Ok, attends, on va remonter là-haut. Oui, bah ça va, je suis au courant à ETG. Non, je peux pas repasser par là. Quoi? C'est bon, t'es content? Non, là je revenais en arrière. Oh, je sais pas. Ah, d'accord. Parce que je pensais que cette porte était ouvrable en fait. Non. Ok. Bon. Après cette petite baignade. Wow! Bonjour. Ouais. Il paraît qu'on l'a trouvé au fond de l'océan. Je vais vous dire, si cette bestiole sait nager, c'est pas dans des eaux terriennes. Il y a un pistolet à tranquillisant dans la cage du requin. Mais je ne sais pas si ça fonctionnera sur cette chose. Essayez quand même. T'es sérieux là? Je pense que ouais, je vais avoir besoin de soins parce que vu la taille du bestiau. Non mais sinon je le bute d'ici hein. Regardez. Je sors mon revolver. Je lui dis de sortir. Elle sort! Bon. Ok. Là il cheat un peu parce qu'il sort pas. Mais putain, vas-y, t'es trop rapide, enfin. Bon. Plus qu'à sauvegarder, je crois. Hein. Non, mais c'est bon, calme-toi, tu me fais peur. Sinon. Mais c'est bon, calme-toi. Eh, hey, je t'ai où? T'es où? T'es où? Eh, hey, comment toi, je t'aime pas? Non, mais vas-y, tu bouges trop vite. Connard. Attends, je recharge. Ok. J'ai préféré quand même rester là-dedans et perdre ma vie que. Comment je l'ai réduit en bouillie, le machin? Je fais de la bouillie pour mon putain de gros poisson. Ouais, bah, et ça va, 2 secondes. Laisse-moi le temps de vivre aussi un peu. Ok. Ok. Il y avait un truc au fond, on est d'accord? Il y a un truc à bouger. Ah, c'était peut-être une langue qui pendait et qui s'amusait à faire n'importe quoi. Putain! Je m'étais jamais fait avoir par ce piège-là, bien joué. Ok. Bon. Bon.
Non mais ça compte pas ça. S'il y a un gros truc. Attends, je recharge. Ça te dérange pas? Mais ils sont plusieurs en plus. Non mais vous êtes sérieux là dans votre démarche? Oh non mais moi je me casse. J'assume pas. Ah oui d'accord, donc en fait on a vraiment pas le choix quoi. Non mais par contre tu me bloques la route là, je passe au courant. What? Ok, il m'a dégagé quoi. Oui bah injection de morphine, injection de morphine. Hein. Oh GG là. Là je suis un PGM. Personne n'osera me dire le contraire. Puis de toute façon même s'il ose, il a tort. Ok. Bonjour. Ok, ok. Si je vais par là, ça donne quoi? Bip, 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 bip. Des soins! Moi j'aime bien les soins. Je trouve ça plutôt pratique dans la vie. Ça permet d'éviter de trop mourir, donc ouais, j'aime bien. Oh le headcrab sa mère. Le headcrab sa mère. Ok. Con, je t'ai niqué. Hé, hey, t'as trop cru, t'as à me surprendre. Putain, en vrai il m'a surpris, mais... Ok. Est-ce que je me rapproche du complexe lambda? Non, je pense pas. Oh, bien joué, tu m'as surpris toi. Hein? Ah, ok, attends. Il est con lui. Il m'a fait croire qu'il y avait un ennemi dans la zone et on va enflure. Eh putain, les scientifiques, vous êtes tous les mêmes. Bon, d'accord. Vous êtes Gordon Freeman, n'est-ce pas ? Bah oui. Grâce au marqueur de votre combinaison, nous avons pu suivre votre progression. Les militaires aussi, malheureusement. Le problème, c'est que sans votre combinaison, vous seriez probablement déjà mort. Bon, écoutez, le meilleur moyen d'atteindre le complexe lambda, c'est de passer par les anciennes zones industrielles. Le système de sécurité y est un véritable gruyère. La preuve, j'en viens. Ah, il fait froid là-dedans. Alors, heureusement que j'ai une combinaison pour me protéger des effets du froid. Ceci étant fait. Ah. Permettez-moi de sauvegarder, s'il vous plaît, merci. Bon, bon, bon. Allons au complexe lambda. La 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 lambda. Ok, GG. C'est bien joué. Et toi là? Connard. On y va. On monte.
Putain, j'ai failli buter. Attention à ne pas... Tu voulais dire attention à pas te faire pécho par les Black Ops. Ok, venez bande de pute. Ah oui, non, quand je dis Black Ops, je vous parle pas de Call of Duty, je parle de meuf en cuir moulant. Moi, ça, c'est même pas des flingues qu'elles ont. Mais enfin. Je pense qu'il doit y en avoir une troisième si je me trompe pas. Mes souvenirs sont bons. Ok, elle est juste là, la salope. Sérieuse là? Je crois qu'elle est morte. Ok. Voilà, ça c'est fait. Alors pourquoi j'ai mis autant de claymores? Parce que comme ça court vite, c'est saloperie, je me suis dit. Mais en vrai, c'est maintenant que je me rends compte qu'on peut pas stocker autant de claymores que ça. Hein. Bon, c'est bien, en plus du coup, je fais le plein de vie d'énergie sans trop en perdre. Je suis vraiment très content là pour le coup. Une fois que ça c'est fait, est-ce que j'ai bien fait le taille? Bon, ok, d'accord. Il y a des jambes de Black Ops qui passent comme ça. Hey, merci. Du coup, droite ou gauche, ou droite ou gauche. Eh bien, je pense qu'il va être temps de sauvegarder et d'y aller. Ah.